Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Nous vivons dans un paradigme économique, aujourd'hui mondialisé, appelé capitalisme, où le capital mobilisé permet l'entreprise et la détention des moyens de production en usant de salariés pour la production. Cependant, ce modèle n'a pas toujours existé. Au paléolithique ou encore au néolithique, les sociétés de chasseurs-cueilleurs vivaient l'économie d'une manière complètement différente. Par les chercheurs, ce mode de développement est appelé mode de production domestique. Dès le début de leur observation au XVIe siècle, les peuples endémiques d'Australie, d'Afrique ou encore d'Amérique latine étaient perçus comme inférieurs par leur mode de vie face aux Européens. Cet ethnocentrisme, c'est-à-dire la façon de voir le monde par le biais de sa propre culture, sans finalement tenter de comprendre l'autre, rapporté par les voyageurs, qu'ils soient missionnaires ou encore explorateurs, a prévalu, nous décrivant une économie de subsistance où les peuples devaient se nourrir au jour le jour pour éviter la famine. Pourtant, il n'en était rien. En 1972, l'anthropologue américain Marshall Salins publie un livre intitulé « Âge de pierre, âge d'abondance, l'économie des sociétés primitives ». Le titre peut surprendre avec le terme « abondance », pourtant il en dit long sur la conception économique des peuples primitifs qui diffère totalement de notre conception de l'économie moderne. Après avoir étudié de multiples publications sur différentes ethnies à travers le monde, ainsi que ses propres travaux sur le peuple mélanésien, il corrige l'interprétation que de nombreux chercheurs ont eue sur l'économie primitive. En dépit du dénuement absolu au niveau matériel, les chasseurs-cueilleurs connaissaient l'abondance. Si nos sociétés contemporaines sont aujourd'hui subordonnées à l'économie, il n'en était rien à l'époque. Dans nos sociétés, c'est le marché qui institue la rareté. L'entrepreneur doit choisir entre différents investissements car son capital est limité et le travailleur entre différents emplois rémunérés. La consommation installée comme objectif de bien-être est à double titre une tragédie. Ce qui commence dans l'insuffisance se termine dans la privation. En proclamant une division internationale du travail, le marché a rendu accessible une multitude de produits. Aussi, ne pouvant tout posséder, le marché crée la frustration. Dans les sociétés primitives, l'aspiration principale est l'autonomie complète. Le but, éviter toute dépendance au groupe voisin. L'idéal autarcique de la société primitive est donc de produire un minimum suffisant pour satisfaire tous les besoins, mais on s'arrange pour produire la totalité de ce minimum. Ainsi, le mode de production domestique permet une abondance mesurée par l'égalisation de la production aux besoins uniquement. Ces sociétés sont anti-surplus. De ce fait, les recherches ethnologiques ont toujours perçu l'économie de ces sociétés comme sous-productive, frôlant la misère. Cependant, Marshall Salins insiste sur un fait que les autres n'avaient pas perçu. L'économique n'existe pas en tant que tel. Il est même refusé par ces sociétés. Ils produisent pour vivre et surtout ne vivent pas pour produire. Et pourtant, tous les besoins vitaux sont satisfaits. Ainsi, l'économique ne se développe pas de manière autonome dans le social. Structurellement, l'économie n'existe pas. Au contraire, elle est perçue comme maléfique et source de division.
Nous pouvons la définir comme une production de produits consommables pour la satisfaction des besoins, et non comme une production d'échanges permettant le profit sur le surplus. Les économistes actuels sont surpris de voir l'homme primitif dépourvu du goût du profit. Mais il est clair que pour la société primitive, la production a une limite stricte qu'il est impensable de franchir, sous peine de voir l'économique échapper au social et de se retourner contre la société en ouvrant la brèche de l'hétérogénéité, de la division entre riches et pauvres, de l'aliénation des uns par les autres. Par cette façon de penser le social sans l'économique, la société primitive admet la pénurie pour tous, mais non l'accumulation par quelques-uns. Pour comprendre cette volonté, il faut tout d'abord assimiler la logique sociale et la hiérarchisation qui diffèrent de notre monde contemporain. La plupart de ces sociétés sont acéphales, c'est-à-dire sans tête politique officielle qui dirigerait l'ensemble selon sa propre volonté. Il existe cependant des chefs qui sont dénommés par les chercheurs les big men. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne possèdent pas le pouvoir, mais le prestige, et il est impératif de différencier les deux. Ceux-ci sont choisis sur deux qualités fondamentales, le talent oratoire et la générosité. Il s'agit de propriétés formelles de l'institution. Il est donc de la position du leader d'exclure la rétention des biens, qui serait perçue comme contradictoire à la logique sociale primitive. Ainsi, le big man accède au pouvoir à la sueur de son front, car faute d'exploiter les autres en vue de produire du surplus, il s'exploite lui-même. Un contrat tacite l'oblige à assouvir les besoins de chacun, tout d'abord les liens de parenté et le reste de la communauté, par le don de ce qui est nécessaire, sous peine de voir sa légitimité remise en question. C'est pour cela qu'il est le seul à pratiquer la polygynie, c'est-à-dire d'épouser plusieurs femmes qui contribueront par leur travail à satisfaire les besoins de la communauté si nécessaire. Le big man est ainsi soumis à une dette perpétuelle vis-à-vis de sa population, excepté s'il arrête d'exercer son pouvoir. Par son obligation de générosité, il peut ainsi prétendre aux gratifications propres à satisfaire son narcissisme en échange des flux de biens qu'il fait couler sur la communauté. De ce fait, la société offre le prestige que le chef acquiert en échange des biens. Nos sociétés modernes ont donc inversé la tendance en plaçant l'économie au-dessus du social, en créant une société de surabondance dont dépend le travail de milliards d'individus à travers le monde pour satisfaire nos besoins futiles et individuels. Le chef ne fait plus preuve de générosité, mais de taxation du surplus qui, à la base, pouvait avoir une justification par la mise en place d'une protection des populations via les services publics, mais étant donné l'état de ceux-ci, la question peut être posée sur la générosité de nos big men. D'ailleurs, une étude a montré que c'est la culture de céréales à travers le monde, comme le blé ou encore le sorgho, qui a permis la création de l'État. Car la pousse de céréales se fait toujours à la même période, et de plus elle est visible, donc sous surveillance, contrairement au manioc qui lui pousse en souterrain de manière éparpillée, ne permettant pas le prélèvement ou la taxation de celui-ci. À chaque endroit où a poussé une céréale, l'État s'est mis en place. La pratique des sociétés primitives correspond à 4 heures d'activité journalière pour permettre l'alimentation, rien de plus. Les hommes et les femmes passent ensuite leur temps à d'autres tâches, de manière détendue, alternant avec le repos. Dans nos sociétés, le culte de l'argent et la richesse individuelle impose un mot d'ordre que nous entendons régulièrement, travailler plus pour gagner plus, pour satisfaire nos besoins superficiels créés de toutes pièces par les industriels. L'homo economicus est donc une invention bourgeoise permettant le profit et la fameuse division de la société que les peuples primitifs redoutaient tant, puisqu'elle détruisait le social, laissant place à une stratification des riches et des pauvres,
incitant un individualisme perturbateur de cohésion sociale. L'importance des peuples racines, c'est qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup sur notre soi-disant développement et progrès moderne, qui s'apparente plus à une servitude volontaire pour un développement matériel individuel, toujours renouvelé par la séduction de la consommation, plutôt qu'un véritable art de vivre en paix, en société. À l'heure où la semaine de 4 jours travaillés pour 32 heures hebdomadaires est évoquée, il est peut-être temps de réinvestir nos aspirations de vie réussie. Sommes-nous, contrairement au peuple premier, nés pour produire plus, pour vivre d'illusions consuméristes, ou simplement vivre pour produire de manière raisonnée et apprécier le temps qui nous est imparti dans ce monde? La question se pose aujourd'hui quotidiennement, à l'heure où l'économie mondialisée s'effondre au même rythme que la biodiversité, laissant apparaître un autoritarisme ambiant souhaitant nous voir continuellement être les serviteurs de nos big men, qui travaillent non pour le prestige, avec pour contre-don la générosité, mais pour le pouvoir. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois le Green, absolument. Green, plus Green.